Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le journal des copinettes que j'ai commencé à faire avec un bullet journal de chez Action. Je vais vous présenter la couverture. Ça, c'est une impression que j'ai trouvée sur Internet, que j'ai mis de l'encre tout autour. En dessous, j'ai trouvé ça dans un coin cuisine. C'est un tapis de cuisine qu'on pose sur en dessous de la vaisselle que j'ai mis là-dessus. Du coup, là, j'ai mis un œillet pour après pour pouvoir l'attacher. Là, j'ai mis un petit ruban. Du coup, j'ai collé tout par-dessus. Alors, je vais vous présenter l'intérieur. Allez, il n'est pas fini, hein. C'est au fur et à mesure des copinettes de mes abonnés. Ça va me permettre de mettre tout ce qu'elles aiment, leurs coordonnées, leur chaîne, un peu tout. Là, c'est pareil. Ben, c'est le tapis de cuisine que j'ai mis en dessous. Là, c'est un tag de plusieurs fleurs. Ça, c'est une forme de fleur en toile de lin ou de jute avec un petit napperon et une petite perle en métal de chez Nose. Là, j'ai mis un bout de ruban. Du coup, là, j'ai mis deux petites feuilles, une rose et une beige. Là, j'ai mis une chute de papier de Action que j'ai collé d'un ruban par-dessus. Et là, j'ai mis une petite fleur avec un petit strass. Voilà pour celle-ci. On va passer à celle d'à côté. Là, c'est pareil. J'avais pas de papier, de notes de musique. Du coup, j'étais sur Internet. J'en ai imprimé une. Du coup, j'ai coupé tout autour à main libre. Et après, je vais ancrer tout le tour. Là, j'ai mis un coup de tampon. Et là, c'est une feuille de... j'ai pas encore tous les termes encore, hein. Faut que j'apprenne. Ça, c'est une feuille de chez Action. Et là, du coup, là, bah, c'est pareil. J'ai mis des engrenages. Je sais que je vais réserver cette page, en fait. Si elle regarde ma vidéo, je pense qu'elle va se reconnaître. Alors là, j'ai mis du bleu, un métal, je sais pas, avec du marron. Une espèce de craie. Ça, c'est un dessin que j'ai imprimé sur Internet. Que j'ai détouré. Même, j'ai découpé à la main et que j'ai mis de l'encre tout autour. J'ai tout recollé, bien sûr, sur le cahier, hein, sur les feuilles d'origine. Là, c'est des bouts de papier que j'ai déchiré comme ça à la main, que j'ai recollé. Bon, du coup, le tampon, là, je l'avais collé à l'envers. Du coup, ben, j'ai laissé comme ça. Là, c'est pareil, c'est des espèces de crayons craie bleu avec un fond vert aussi. Et là, j'ai mis un coup de tampon d'une ampoule. Là, c'est pareil, j'ai mis ça, c'est de l'encre. Je sais où c'est du. Je ne sais plus. Là, c'est des feuilles, ça, c'est une impression sur Internet. Là, c'est des sprays. Mes enfants sont amusés à faire. Du coup, j'ai récupéré les feuilles. Là, j'ai mis un tag avec un tampon. Que c'est pareil, j'ai mis... ça, c'est là une feuille à ligne que j'ai prise sur un des vieux agendas. Que j'ai recollé sur du papier blanc. Là, c'est pareil, c'est une chute de papier de chez Action que j'ai remis là. Normalement, c'est une attache parisienne, mais bon, elle s'est cassée. Du coup, ben, je l'ai collée dessus. Et là, c'est pareil. C'est de l'encre que j'ai mis avec une éponge. Là, c'est des tampons clés. Ça, c'est des chutes de papier que j'ai mis comme ça pour décorer. Voilà, ça, c'est ben, c'est de l'autre côté, c'est une attache parisienne. Là, c'est de la pâte à structure que j'ai fait moi-même. Là, c'est une petite découpe feuille.
Ça, c'est des clés aussi. J'ai tamponné des clés. Ça, c'est encore de la pâte à structure. Et là, c'est mon fils qui s'est amusé à faire plein de... Il a pris les peintures. Il a fait des paquets. Je sais pas ce qu'il a mélangé. Du coup, après, ben, il a mis les coups de tampon. Du coup, il m'a dit, ben, tu le colles sur ton cahier. Ben, c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Ben, là, c'est pareil. C'est des chutes de papier qui lui restait. Il a fait du cheap sheet, de la peinture. Et puis voilà, du coup là c'est un papier noir que j'ai mis dessus. Et puis j'ai rajouté ces chutes de papier qu'il avait fait. Voilà, à la base elles sont comme ça les feuilles. Du coup, bah, comme elles sont épaisses, elles sont très fines. Du coup, je colle par-dessus les pages au fur et à mesure que je les fais. Du coup, ça va me permettre de mettre tout ce que vous aimez, vos coordonnées, votre chaîne. Et puis voilà, ou même vos cartes, les futures cartes que vous allez m'envoyer, bien sûr. Je plaisante. Bon, bah, sur cette petite vidéo, bah, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à bientôt.